Bonjour les leftos, comment ça va? Allure! Ce matin, on continue Ni no Kuni. On va essayer de défoncer le boss qui nous a défoncé la dernière fois. Alors je suis allé trouver une boutique et j'ai fait le plein de café, prendre des PM, espérant que ça passe.
Roi Sacha qui était méchant. On a déjà vu, hein. Great. Frère, mon frère qui est en ligne le matin. Portable, ça sent le coup de fil, ça. Hop là. Alors, on prend Oliver direct. Essayer Noctus, voir combien de dégâts ça fait. De la merde. Et avec lui-même. Connard, j'ai même pas eu le temps. Ça m'a usé mes PM. Ça c'est chiant ça, parce que l'attaque met 6000 ans. 6000 ans. Littéralement. Si t'attaques entre temps, bah t'es baisé. Voilà. C'est deux fois. J'ai envie de déjà de prendre la console et de l'ouvrir en deux, quoi. Ah, mais voilà, il est plus là pour les soins. On va le réveiller. C'est pas ouf quand même. Il est déjà mort, mais c'est pas possible. Franchement, c'est vraiment une équipe de branquignoles. Attaquer un peu avec ça. Soigner, c'est bien.
Soignez-vous, punaise, mais s'il te plaît, quoi. Il se soigne pas. Ça m'énerve, ça. Tu dis soin en priorité, et le gars, il reste à côté comme un sac à merde. Trois fois que je le régénère. Oh putain, il n'y a pas de PV en plus. Voilà, il passe en phase 2. Génial. Ah bah oui, bon sang. Le problème, c'est que quand je lance un sort... Ah bah oui, c'est vraiment très utile à ce moment-là, une fois que je suis mort. Merci. Allez, fais quelque chose, bouge. Et voilà, je peux pas me défendre parce que c'est trop long pour te soigner. Oh, j'ai pépé de ma vie. J'ai pépé. Et je les ai fait attaquer juste avant l'attaque. Et deux sont morts. Ouais. C'est quand même de la grosse merde. C'est infaisable. C'est littéralement pas possible en fait. C'est n'importe quoi, quoi. C'est vraiment n'importe. Je vais voir si je perds tout. Si plus de phénix, 30 cafés. Ok, j'ai rien perdu au moins. J'ai perdu 150 balles, mais ça on s'en fout, j'ai plus de sous, on s'en branle. Je pensais qu'avec ça, ça passerait large, bah même pas quoi. Parce que mes coéquipiers, c'est des peintres.
Soigne-toi maintenant. Soigne-toi. Alors que je suis en défense, je comprends. Personne a pu se protéger. Alors que j'ai fait... Ça me saoule ce truc de défense et tout qui marche à moitié. Mais soigne-toi toi, putain, mais moi je m'en fous. Putain, je me démerde. J'ai rien le temps de faire, c'est nul. Punaise, mais comme c'est pas bon. Cette fin de jeu, catastrophique, franchement. C'est même pas encore la fin, hein. C'est juste un boss random, ça. Ah bah oui, tu dis pas qu'il faut soigner à fond. Hein. Ah non, pas utile. Pauvre merde, tu lui dis, assure les soins, tu le vois se balader, comme un fils de pute. Je suis même pas en phase 2, je suis déjà en plus en galère que tout à l'heure. Faire des champs de force, je sais pas demander, c'est pas une guérison ça. Et voilà, allez, on va perdre de l'énergie. C'est nul à chier. Ah, j'étais en défense, hein, j'ai pris 124. Tout à fait normal. Hein. Enfin, coup, il est déjà mort. Je lui ai donné une plume de phénix et il est mort instant en se réveillant. Débile. Regarde, je vais essayer de prendre un truc de provision. Je vais crever sur le coup, tu vois. Voilà, je peux pas me défendre et je suis mort. Voilà. Le jeu.
Super jeu. La caméra, punaise. Et voilà, j'ai utilisé un objet pour ressusciter tout le monde. Non, pas dans le vent. Tu es pas bon comme jeu. Mais très mauvais. C'est très mauvais, franchement. Les RPG, si c'est comme ça, franchement, tout le temps, c'est un genre de jeu qui est vraiment pourri. C'est bien, c'est une belle histoire, tu t'amuses tout le long, puis à la fin, le jeu décide de dire oh, bah non, on va mettre les boss à l'infini. C'est tellement fun. Bon, on s'amuse tellement en faisant ça. Moi, j'ai envie de lancer un sort. Mais comme par hasard, il va attaquer et je vais pas pouvoir. Eux, ils sont en défense. Ouah, ça lui fait que dalle! Je comprends vraiment pas comment je lui fais autant peu de dégâts. Je suis même pas bas level. J'ai regardé une vidéo, les mecs sont même niveau que moi. Et là tu te dis pas j'ai bloqué l'attaque, tu me donnes un truc. Il lance premier soin quand je lance ça. Ouais. Trop bien. Carry, soigne-toi. Oh non, soufflet royal, non. Ça va peut-être annuler avec de la chance. Pas du tout. Je m'amuse. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il est mort direct en fait. Ça dans le jeu, ça c'est un truc de fou. C'est que tu le ressuscites. On a pas dû marcher parce que j'en ai encore 3. Mais tu le ressuscites. C'est incroyable. Hein. Le jeu est incroyable. Je vois pas, voilà. S'il fait une attaque, je vois pas. Il est mort. Tu sais quoi, nique ta mère, reste mort là-bas. Oh, mais l'autre, il a pas de PM. Ça, ce qui me saoule aussi, c'est qu'ils arrivent pas.
Serre-toi dans... Serre-toi et remets-toi des PM, c'est... je m'en fous. Il est mort. J'ai pas encore... Hey, ça fait au moins 2 minutes, 3 minutes que je l'ai pas touché. Hein. Je peux pas. De toute façon. Et voilà. Et je vais pas jouer une heure et demie si c'est pour faire ça. Je vais arrêter. Je reprendrai le jeu en 6 ans. Faut pas la défense. Heureusement que c'est pas pour moi. J'ai même pas le temps d'attaquer, hein. c'est incroyable. Oh, Pécari, si tu prends ça. Don du prince, je sais pas c'est quoi. Putain, mais nique ta mère, c'est annulé. Putain! Ah, il sort lui-même tout seul. Bien, hein. J'ai pas le temps de trouver la défense, c'est impossible. Ah mais je peux plus ressusciter maintenant. Voilà, c'est fini. Pff, un quart de vie enlevé, c'est pas mal. Hein. On s'améliore. T'as pas un truc genre non. Dommage qu'on peut pas binder un sort et... Et merde. Eh hey, coucou Happy, merci pour le courage. Et il va falloir plus que du courage, je pense. Comment tu vas? Peut-être attaquer là. Je vais attaquer. Je trouve que je suis quand même peu récompensé pour mes défenses, quoi. C'est ça qui me saoule. Je rends des PM à un mort. Oh la caméra.
Bah, en fait, le jeu est pas dur, hein, fil de l'aventure. Là, je suis vraiment, je crois, à la fin. Il me semble que ce sera que du boss rush, donc ce sera des boss à gogo. Et ouais, je trouve ça débile que si j'ai pas genre 30 milliards de potions pour mettre des PM et tout, tu peux pas jouer en fait. À part si t'as farmé niveau 100 pendant 8000 heures, quoi. En fait, au lieu de faire l'humaine comme un gros compte et charger mon attaque, j'aurais tellement dû genre faire des petits traits. C'est moins lent, mais là, tu sais, j'ai déjà fait la moitié. C'est plus safe parce que l'autre, elle met du temps à charger pour 400 PV, alors que l'autre. Peut-être ça aussi comme que je faisais mal. Ah, je vais mourir. Waouh, cette chatte, il m'a. Ça rend tous mes PV. Et ça fait une attaque bon du prince. Je sais pas c'est quoi. Ça sent le soin, ça, non? C'est vert, ça soigne, ça. Alors, ça pourrait pas, genre, ressusciter tout le monde? Ça m'arrangerait. Coucou Loud, classe le matou là. Ah ouais, il est classe, il est cool comme ça. Mais bon, il me défonce un peu la tronche, hein. Si je suis à court de soins de PM, par contre là, je suis dans la merde. Ouais. Je suis n'importe quoi. Ouais, plus que la moitié. C'est génial. Je vois pas plus que la moitié, je dirais ouais, plus de 10-15 minutes, quoi. C'est ça qui est horrible. C'est le temps que ça prend. J'aimerais bien neutraliser le poison, mais ça sert à rien parce qu'il m'empoisonne tout le temps. Il me reste que 17 cafés serrés, quoi, c'est pas ouf. Hein. Non, non, défense. Ouf, parce que ça fait mal. Le défense 150. Ça s'appelle la charte. Il va m'empoisonner.
Bah, ce qui est chiant, tu vois, avec lui déjà, avec son attaque max, puissance énergie qui régénère la santé de tout le monde, tu vois. Ça, c'est chiant. Parce que voilà, je préfère une attaque, hein. Ça, c'est vraiment le super pouvoir. Et on préférait une attaque que des soins, quoi. Parce que là, moi, ça me soigne moi, mais je me soigne tout seul depuis tout à l'heure. Les autres sont morts depuis 10 minutes. Et c'est pas le temps d'attaquer, ce truc. On soigne quand même, on sait jamais. J'utilise trait de lumière parce que je sais que la lumière c'est pas mal, mais. Et merde. J'ai pas voulu sortir ma petite créature de chiasse, hein. Pour qu'elle prend moins de dégâts que moi, en fait. Alors avec lui qui est magicien, oui. Si je peux pas faire une attaque physique, ça va être plus que rigolo, je pense. Je vais faire un de dégâts, je crois. Après on a des familiers. Et, je veux dire les familiers font tellement peu de dégâts en fait que la magie ça reste le meilleur moyen de. Bon ça descend vite avec trait de lumière. J'aurais dû faire trait de lumière depuis le début en fait. J'aurais moins galéré que l'humaine, le gros sort l'humaine qui prend 3 plombes à charger qui fait que 400 de dégâts en fait. Là au moins ça va plus vite. J'utilise plus de PM. Mais ça va plus vite. C'est l'attaque qui fait. Il m'en reste 9. Oh quel chat, mais le. Oh là là, la console qui rame. Quand même une chatte énorme. Ah j'ai retrouvé tous mes PV, ça c'est. Non mais prends-la! Prends-la la machine là! Il se fout de ma gueule le jeu! Il se moque de moi. Et voilà. Le truc jaune, ça me rend tous mes PV. Et là, il était dans le boss et je pouvais pas y aller. Non mais sérieux. Le jeu, il se fout littéralement de ma gueule. Quoi. Là, regarde, je vais crever. Tu vas voir qu'il va, il va faire une attaque. Je vais pas pouvoir me soigner. Ça va être une galère. Il m'a bloqué, il va faire des trucs comme ça. Là je me suis soigné pour rien parce que c'est reparti.
Je préfère sort de guérison, hein, ça me guérit plus vite, hein, mais. Le problème, c'est que ça va amuser des PM et j'en ai quand même besoin. Picari, il est quand même niveau 49, hein, il pue du cul. Et merde. J'ai appuyé à la frame, ça n'a pas marché. Ce qui me ferait chier, c'est quand même de mourir. Oh là 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 là, putain, ça se joue à rien. Défonce-toi, ça c'est one shot. Donc ça veut dire que par exemple, je bouffe un sandwich pendant qu'il fait ça, je décède. Pas faire. Je trouvais pas la défense, mais sérieux, cette chatte. Je trouvais pas mon bouton défense. Oh là là, j'ai une moule, mais infinie là. Je suis presque, ouais, mais là, tu vois, putain, j'aurais pu mourir n'importe quand, là. C'est n'importe. Bah, regarde ça, j'ai même pas eu le temps. Oh, putain, mais comme il veut. Ça, prends ça, va prendre ça, va prendre ça. Oh, oui. Bon, son attaque, lui, sert à rien, parce que c'est juste pour soigner. Donc, okay, au moins, j'ai tous mes PV, et je soigne personne. Et c'est déjà ça. Est-ce que tu peux me laisser attaquer s'il te plaît? Mais après, ça c'est un boss, hein. Je crois qu'il y en a au moins 6 ou 7 autres derrière comme ça, hein. Apparemment. Donc voilà, je suis tellement joyeux de... C'est fini là je crois. Oh. Il m'avait fait l'attaque d'enculé. Ah mais sérieux, bon. Enfin. Et là, je vais level up de un niveau, pas plus, quoi. Alors que j'ai fait un combat, mais... Hardcore. Un niveau, j'ai pris un niveau, quoi. 4200 d'argent, quoi. Sérieux, quoi. Kokoru, Suisho est à ce côté-là. Kokoru, ikune. Et allez, 20. Merci pour le GG. 20 ans de dialogue. Mais qu'avons-nous fait? Votre majesté, vous revoilà. Quel soulagement. Vous êtes un peu transformé en monstre pendant un moment. Bon, totalement transformé en monstre, pour être franc. Hein? Nous ne souvenons de rien. Merci pour le GG là. Tout va bien maintenant, monsieur chat. Monsieur chat, surveille ton langage. On parle du dirigeant d'un royaume. De tels peccadilles sont actuellement le cadet de nos soucis, fait. Nous sommes davantage préoccupés par notre totale perte de mémoire. Ne vous inquiétez pas, tout va bien maintenant, votre majesté. Lena vous a sauvé, ainsi que tous les habitants de la ville. Vraiment? Alors nous devons nous secouer et remettre le royaume en ordre. Tip top. Nous vous laissons donc reprendre les choses en patte, votre majesté. Mon petit Oli, retour à la Wyverne. Sauf que là, j'ai plus beaucoup de sous, et pour racheter des soins, bah... Je
それは浄化されたのである。聖杯の浄化、人には成し得る所業です。やはり彼らは救世主なの。女王陛下、いかがなさるおつもりですか。慌てるな、聖杯。あれは除却に過ぎぬ。破滅への歩みがわずかに鈍っただけ。なるほど、人間どもが多少あがこうと死傷は少ないわけか。ええ、現在の彼らは束の間の希望に酔いしれし愚かな道化。ああ、人間など女王の手にかかれば期待しておりますよ、女王陛下。ところでシャザール殿、あなたあの少年と接触したようですが。ああ、彼らの浄化の力、それを確かめるため。確かめる、それは真実なのかしら。もしかしてまさかジャボーと同じに。同胞を信じられぬと申すな。誰ごと。もうよい。女王陛下、しかし。やめろと言っている。はは。女王。C'est fabuleux, Léna. Alors ta magie avait vraiment le pouvoir de purifier le mana. Oui, il n'y a plus de cendres. Ça, c'est la magie. Ça, c'est de la magie, fillette. À ce jeu-là, tu es peut-être encore plus doué que notre petit Oli. Eh, mais il est très fort aussi. Tiens, une fleur, pour te dire merci. Hein ? On n'avait encore jamais vu de pareil. Où l'as-tu trouvée, Léna ? Elle était là où il y avait le cristal. Cristal ? Le cristal noir que tu as détruit ? Quel genre de fleur peut bien pousser sur des cendres qui transforment les gens en monstres ? Eh, c'est ma fleur, et je te la donne. Merci beaucoup, Léna. Ils en prendront bien soin. Né, né. Otosama, どうして寝てるの ? Ah, はい、王女様。魔導王様は、とても安らかに。どうしたの？どうして泣くの？いえ、泣いてなど。王女様はこれから魔導王様の後を。後？後を継いで心が王様になるの？はい。皆が望んでおりますので。大丈夫なのかな？さて、王位継承の準備も整いましたぞ。すべてはこの12人の評議会にお任せくださればよいのじゃ。そうですとも、姫様は何の心配もいりません。おい、ne vous inquiétez pas pour la capture qui bug, c'est normal. 何も知らない心王女。あら、mais face de dialogue, des fois ça fait ça。おお、そうであったな。失礼しました、女王陛下。お綺麗ですよ、女王陛下。本日より私たちもレイナス女王陛下とお呼びいたしますね。ココロ、名前変わっちゃうの？はい、本日の王位継承の儀によってお名前も変わりました。国民が皆レイナス様を祝福しておりますよ。魔導王の後を継いで我が国をさらに良くしていってくださると。心、女王なんて乗りたくないのに。Reine Léna? Oui, je suis la reine Léna. J'ai du mal à comprendre là, hein? Léna, c'était vraiment toi? Eh oui, gros bêta, je suis la reine Léna. Je veux dire que tu règnes sur tout un royaume. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas laisser tes sujets en plan dans un moment pareil. Ça te va bien de dire ça. Rappelle-toi qui a laissé tout un empire en plan. Bref, si ce qu'on vient de voir est vrai, dis-nous où se trouve ton royaume, Léna. Oui,
parce qu'on a survolé le monde entier sur le dos d'Aerwan et on n'a jamais vu d'endroit qui ressemblait à ça. Tu l'as rencontré dans ton monde, n'est-ce pas, Oliver? Peut-être que c'est là que se trouve son royaume. Je ne crois pas. En tout cas, la fleur, elle, elle va bien de ce monde. C'est vrai, ce qui laisse penser qu'elle est de toute façon, qu'elle a de toute façon un lien avec notre monde. Je m'ennuie. On se tait, fillette. Les grands sont en train de parler. J'ai déjà dit que je n'étais pas un bébé. Pourtant, la ressemblance est frappante. Enfin bref, la fleur se trouvait à la place du cristal noir, c'est bien ça? Oui, exactement là où il était. Et le mana est aussi tombé ailleurs, enfin, pas vrai? Alors, il aurait pu bien y avoir d'autres cristaux et d'autres fleurs. Et avec toutes ces fleurs, il est possible que nous trouvions autant d'indices sur l'identité de Lena et sur son royaume. Pas bête, hein? En tout cas, il faut bien faire attention à celles qu'on a déjà. Si ça se trouve, elles sont importantes, ces fleurs. Tu as raison. Lena, tu es d'accord pour qu'on veille sur ta fleur? Vous pouvez la garder. C'est bien joli tout ça. Mais il ne resterait pas des milliers de gens à sauver de la malédiction des cendres. C'est vrai, il faut les aider. Ok. On est à Carabas, il va falloir aller à Almameu et à Kessler. J'irai juste peut-être à Perdida, à la boutique, juste racheter quelques trucs, même si du coup... J'aurais tellement pas assez de sous, quoi. Est-ce que ma truc de jouvence fait ça à quelque chose? J'ai que 5000 quoi. Fleur géante brillante contient un souvenir. Oh. 68, ça devrait aller. C'est ça qu'il faut que j'achète en priorité. Ouais, je peux en prendre 6. C'est génial. J'ai plume, donc personne peut se réveiller. C'est trop bien. Ah ouais, quel mana là. Les gens sont zombies. Oui, lâchez-moi, je veux pas me battre avec vous. Alors ce qui est chiant avec ces zombies là, c'est que bah, ils peuvent t'attaquer, hein, c'est des villageois. Sauf que ils n'ont pas dispé. Voilà. No XP quoi. Oh putain, Resident Evil. Donc là, il y avait la... Je sais plus comment elle s'appelle, la souveraine de ce royaume. C'était une grosse, grosse vache. Littéralement une grosse vache. Donc là, on va voir ce qu'elle va donner. On va se faire défoncer, je pense. C'est cool. Non, non, reviens. Génial. J'ai hâte de mourir en boucle.
Ah, peut-être des sous, ouais, faut voir, mais il me faut avoir. Je regarderai. Alors, toi, hop, assure les soins. J'aurais bien aimé, genre, fais la même chose que moi, quoi, mais bon. Donc là, par contre, elle, je connais pas du tout. Ses attaques. Enfin, juste voir un petit lumen, qu'est-ce que ça fait. Un petit. Hein. 361, tu vois. Paco est déjà mort. Bon, moi aussi j'ai trait de lumière, on va faire combien ça fait 109. Ouais. Oh puis il est loin. Et je pense que comme l'autre, il aura une, elle aura une phase 2 de toute façon. Waouh. Roulez, roulez. Ah, ça, je veux bien prendre avec Oliver. Ça fait une attaque. Et ça, on peut l'éviter. Pour l'instant, ses attaques sont pas ouf, honnêtement. On va essayer d'attaquer lui. Café. À mon avis, la phase 2 va être violente. Et merde. Oh non, je peux... Oh non, je suis mort. J'ai oublié de me soigner.
génial. Je peux même pas, du coup, j'ai pas de truc pour réveiller. Ah, c'est une catastrophe. Allez, là en face d'eux. C'est horrible qu'il y ait deux faces comme ça en fait. On dirait qu'elle va charger. Fais attention à toi, Mouteloli, elle peut vraiment dire qu'elle sort la tirée lourde. Attends, si on arrive à la rendre encore plus lourde, elle n'aura plus bougé. Sors pour la clé au sol. Ah ouais, mais Oliver, il est mort. Voilà lactée. Ah mais balance du lait, Berk. Mais j'ai pas, putain. Il est mort, ce con. Oula, merde. Putain, j'ai pas eu le temps de defense, quoi. L'autre non plus, quoi. C'est là. Là, on est en défense. Ah, je serai jamais famous, dommage. Ah, ça va être compliqué, moi je dis là.
Pour le moment, tu gères mieux que le boss précédent. Ouais, mais elle est plus simple. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile, ouais. Ouais, c'est dommage que j'ai pas Oliver encore là. Il est mort dès la phase 2 en fait, ça aurait été plus simple avec Oliver je pense. Parce que là j'avais un sort pour l'alourdir, elle aurait pas bougé en fait. Donc. Parce que café là il m'en reste que 3 hein. Niveau magie après ça va être short quoi. Je vais devoir attaquer au corps à corps et ça va pas être la même. Je pense que je vais avoir pile poil ce qu'il faut de magie quoi. Voilà. Bon, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple que le premier boss. Bon là par contre ça va être plus dur pour peut-être l'autre, parce qu'il y a un troisième royaume du coup. Ça va être plus dur parce que. J'ai pas de sous. Pour le GG. Ça alors, nous avons l'impression de sortir d'un long rêve, ou alors très court, comme c'est troublant. Un rêve à propos d'une sorte de monstruosité bovine, cela ne nous amuse nullement. Oui, vous êtes une vache. Eh bien, que voilà une mignonne petite créature. D'où sors-tu exactement? Rhénogénis, êtes-vous blessé? Oh là là, oh là là, oh là là, ce délicieux visage, ces yeux lumineux, le grand sage de Kessler en chair et en os, rien de moins. Jeune homme, votre portrait ne vous rend pas justice. Vous êtes une apparition, une véritable apparition. Oh mais oui, c'est vrai, elle avait un portrait de lui, non? Si ça fait pas froid dans le dos, ça. Majesté, vous n'êtes pas blessé, j'espère. Nous sommes l'image même de la santé. Merci beaucoup, Vachir. Il faudrait mieux de vous inquiéter de l'état de notre bien-aimée cité. Allez, Oust, du balai. Donnez-nous des nouvelles de notre peuple, tout de suite. Oui, Majesté. Votre souhait sera exécuté en toute promptitude. Nous devrions retourner sur la Wyvern de Fer, Oliver. Let's go. Ah, plus qu'un royaume à sauver, non? En tout cas, je m'en reviens toujours pas des pouvoirs de Lena. Un vrai concentré de magie, cette petite. Et c'est ça. Oui, sa magie est tout bonnement miraculeuse. Ce sort, purification, il ne figure pas dans l'almanach du magicien. Oh, et la fleur.
On avait bien dit que si on trouvait un autre cristal, on avait des chances de trouver une autre fleur, non? Désolé de te décevoir, mais j'ai jeté un œil dans les parages pendant que vous battiez et je n'ai rien trouvé du tout. Il y en avait une. Regardez, elle est là. Hein? Où l'as-tu dénichée? Peut-être que Lena est la seule à pouvoir les trouver. Ce ne serait pas surprenant. Elle semble avoir un lien avec son passé. Je me demande si celle-ci nous en apprendra un peu plus. C'est possible. Je suis un peu nerveux. Je me demande ce qu'on va découvrir. Dis, Lena, peux-tu nous montrer? Bien sûr, tout de suite. Né, Omus, écoute. L'assemblée qui fait ce que tu fais, est-ce que c'est vrai? ね、話してるの私聞いちゃったの。今の王国は最悪だ。民は貧しさと飢えに苦しみ、町のあちこちで人々が生きたいてるって。ね、評議会の言ってることと違うのはどうして？どっちが本当のことなの？教えて、オムス。困りましたな。 女王があのようにやる気を出されてしまうと、この国がすでに私たちの手に落ちているということ、それも民に知られかねないわね。<笑>女王の議会への参加、その程度許してやろうではないか。あのような無知な小娘、これまで通り騙し続ければよいだけのこと。 責任はすべて女王に押し付けたままだ。ええ、それがよろしいですな。あくまで生かさず殺さずということでございますな。お父様、 お喜びください。本日、評議会が決定してくださったのです。私を王政に参加させてくださると、これで私もこの国のために働くことができます。私は今までの自分を反省しています。民のことを第一に考え、貧困と争いを根絶することに努めたいのです。お父様、 古しい魔法には人々を苦しみから救い、夢を叶えるものがあると聞きます。見ていてください、お父様。人々に希望をもたらす伝説の魔法。私はそれを必ず会得してみせますから。この王国の多くの民に希望の光をもたらすために。 Pardon. Et coucou Bob, comment ça va? Hein? C'était bien Lena? Mais elle était adulte. Alors, c'est pas elle? Enfin quoi, regardez-la. Au même âge, elle ressemblait exactement à la fille qu'on vient de voir. Donc tu penses que nous venons d'assister à une scène de l'avenir de Lena? Si c'était le cas, il doit encore y avoir une trace de son royaume quelque part. Je me demande bien où. Nous pensions pouvoir apprendre la vérité sur l'identité de Lena, mais il semblerait que les terres s'épaississent. En tout cas, une chose est sûre, ce conseil des 12 ne m'inspire pas du tout confiance. Ma main a coupé qu'il m'y soit un mauvais coup. Oui, pauvre Lena. Oui, ben, c'est pas en restant là, j'ai cassé, qu'on va faire avancer les choses, hein. Il doit y avoir d'autres fleurs. Allons les chercher. Tu as raison. Lena, nous préviens si tu trouves une autre fleur, d'accord? Oui, je veux en trouver une autre. Bien, rejoignons le dernier des 3 royaumes. Rien n'est encore gagné. Nickel et toi? Oui, moi ça va, nickel. On a battu 2 boss, là. Par contre, ouais, j'ai plus de sous, j'ai plus de ressources, enfin de consommables, ça va être compliqué, on va voir. Est-ce que Lena, ça serait pas la sorcière céleste avec son, avec les 12 apôtres là qui siègent autour, hein. Ça pue le truc comme ça. Hein.
installer là vu qu'il y a une boutique. Tiens, attends. J'ai pas des merdes à vendre. Ok, ça me dit quand c'est équipé, pas de soucis. Tout ça, je m'en sers pas pour améliorer mes bonhommes. Pas pour améliorer mes. Voilà, c'est surtout ça que j'ai besoin. On va aller à Kassler, le troisième royaume qui est affecté du coup par le mana. J'ai juste fait une petite pause là par contre. Regardez. Tam pam 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 tim 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 tim. Waouh, oui, j'ai envie de vous faire écouter une pub de 1 minute 10. Quelle bonne idée. Allez, je reviens tout de suite.
Et heureux les gens. Casse-toi le chat. Non, allez. Ils ont fait les relous. Ils ont pas mis le TP pour aller tout là-bas. Lol. On va pouvoir attaquer, hein. Génial. Allez, attaquons sans gagner d'XP. Il l'a one shot. Ah si, on gagne de l'XP quand même. Autant pour moi, j'avais pas vu. My bad. Putain, mais j'avais pas gagné d'XP à Carabas, c'est pour ça. Parce que là, ils sont plus forts. Je voulais juste passer derrière vous. Regardez Oliver, on va faire. Sauvegarde avant le boss, donc on va gagner tous les PM et les PV. C'est pas trop grave. Thank you.
Le délire de mettre des ennemis à côté de sauvegarde, bizarre quand même. Et re-happy. Faut pas qu'il y ait des zombies dans les couloirs quand même. Ça a l'air d'aller. Bah il donne des sous et de l'XP maintenant. Et tout à l'heure ça donnait pas. Et ça donne des sous ouais. Parce que putain juste avant le boss ça va être chiant parce que... よりにもよってこことはな。せやけど、おい。何か思い出す展開やで。ん?お、見てみ。イベリ工具Z。あれ、ロトルでしたメアだ。メガマで魔物になってんのがどういう仕組みだよ。わかりません。でも、これなら思いっきり戦えるよね。 Ok. Ça, ça a l'air un peu plus vigoureux que que l'autre d'avant, quoi. Il me semble que les machines n'aiment pas la foudre, non ? Foudre. La glace, je sais plus qu'est-ce qu'elles aiment pas. Le feu. Ah, j'ai un doute. Oh, qu'est-ce qu'elles aiment pas déjà. Peut-être l'eau. On va essayer ça. Enfin, on va essayer une invoque, il faut voir. De lumière juste pour voir 112 ouais, ça passe. Elle coûte combien la voc? 36 ouais. 3 traits de lumière et ça fait 200 ouais. Ce char est peut-être différent de celui qu'on a combattu avant mais il a le même point faible. Tempête, ah voilà, tempête, voilà. Ah bah tempête, c'est la... On va voir combien ça te fait, ça. Tempête, c'est électrique. Bon, ça fait 263, c'est pas au fond.
Elle est en chance, un peu bourrée. Ouais, le petit PNJ qui donne des indices, ouais. Voilà, il y a deux trucs de lumière, au moins un. Bon, ça ferait une attaque de feu, mais ça ferait une bonne attaque. Et je me rappelle qu'il y avait un point faible sur les machines. Ah, 644. Ouais, mais ils font quoi là? C'est la première fois que mes PNJ sont. Enfin, que mes coéquipiers sont si badass. J'étais en défense générale. Hein. Ils passent déjà en phase 2. Il va lancer une attaque, je la connais pas celle-là. J'espère que je vais pouvoir défense. Waouh, ok. Et encore une boule jaune. Chance parfaite. Attaque. Ah, ça faisait du mal, ça. Putain, cool. Putain, mais je savais pas qu'il avait cette attaque là, quoi. Pourquoi il le faisait pas avant? Non, mais on va le défoncer là. C'est ouf, là. C'est trop facile d'un coup. Bah ouais, là le boss il est vraiment trop easy quoi. Comparé au chat là. Ouais, c'est fini. Voilà. C'est fini. Waouh. J'ai pas compris la courbe de difficulté entre le premier boss que j'ai fait et celui-là. Parce que là c'est massacre. あの魔法を。うん。ポリー。
Crois-tu que ça signifie que tout le monde est guéri à Kassler maintenant ? Ouais. Ce qui veut dire que le monstre est venu pour le prince de s'occuper de ses sujets. Le moment est venu pour le prince de s'occuper de ses sujets. Votre Majesté, la ville est en ruine. On a été envahi par des bêtes sauvages. Faites attention à ce que je suis dit à votre place. C'était vous. Nous ? C'était nous les bêtes ? C'est horrible. Votre Majesté, vous a-t-on attaqué aussi ? Calmez-vous. Comme vous le voyez, je ne suis pas blessé. Je suis davantage préoccupé par l'état de notre grande cité. Mais notre principal souci devrait être de découvrir la cause de tout cela. En attendant que j'y parvienne, je dois laisser Kassler entre vos mains. Sergent Gorcia, vous avez pour ordre de lancer immédiatement la reconstruction. Oui, votre majesté. Vous partez en guerre, n'est-ce pas ? Vous devez emporter avec vous nos toutes dernières technologies. Vous avez obtenu une nouvelle formule d'alchimie. Sortez votre chaudron pour l'essayer. J'ai jamais fait un truc d'alchimie de tout le jeu. Votre prévoyance est toujours la bienvenue, sergent. Je confie l'Empire à vos bons soins. Sapristi, tu viens vraiment de parler comme un empereur, là. Oui, c'est comme si j'avais une toute autre personne en face de moi. J'ai fait une promesse à mon frère. Quoi qu'il en soit, Gorcia est un bon chef. Je peux lui faire confiance pour reconstruire Kassler en mon absence. Si c'est pas de la confiance, ça, impec. Retournons sur la wyverne de fer, d'ac. On va quand même voir après le truc d'alchimie, parce que s'il me le donne, c'est pas pour rien, je pense. Nous avons sauvé les trois royaumes du fléau du mana. En tant que représentant des peuples de ce monde, je vous remercie du fond du cœur. De rien, c'est à Lena que revient tout le mérite. Oui, c'est à Lena. Cependant, nous ne savons toujours pas qui nous a envoyé le mana. Ta magie a permis d'éviter une incommensurable tragédie, Lena. Telle catastrophe ne doit plus jamais se produire. Tu l'as dit, Bouffi. Il faut trouver qui se cache derrière tout ça et lui flanquer une bonne raclée. Mais on n'en a aucune idée. On n'a aucun indice. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui me laisse perplexe dans l'histoire de Lena. Ah oui ? Quand nous étions dans ton monde, elle t'a dit que c'était de sa faute s'il pleuvait des cendres, n'est-ce pas ? Eh bien oui, mais ça ne peut pas être elle, c'est impossible. Normalement, il semblerait tout aussi impossible que qu'une si petite fille ait le pouvoir d'inverser les effets du mana, non ? Et pourtant, nous l'avons vu de nos propres yeux. Mais il n'y a pas que ça qui me fasse penser qu'elle en sait davantage. Je pense que Lena détient la clé qui nous permettrait de lever le voile sur tous ces terres. Oui, Lena a la clé. Oh, tu as trouvé une autre fleur, c'est ça ? Génial, on va revoir cette jeune et jolie reine. Je crois que c'est vraiment le moment de nous gratifier de tes stupides commentaires. T'es sérieux, Faco ? En effet, je crains que cette nouvelle vision ne soit pas des plus agréables. Mais peu importe, nous devons affronter la vérité. Lena, si tu veux bien... Let's go. Ok, let's go. どうして私の名はレイナス モーヤの女王幼い日にはココルと呼ばれていましたその頃はお父様と共に何不自由ない暮らしをしていましたでもお父様が亡くなり私が女王レイナスとなってから悲劇は次第に近づいてきたのです何も知らなかった私は12人の評議会に全てを任せましたしかし評議会は民のことなど何も考えていませんでした平和だと思っていたこのモーヤの王国は貧困にあえぎ争う多くの民であふれかえっていたのです私は知りました人々が貧しさに苦しんでいること人々が貧しさに苦しんでいること c'est elle, j'avais raison そして私は彼らが決して得られない幸福な暮らしに溺れていたこと私は心を改めました人々のために尽くし争いをなくそうと努めたのですそして私はたどり着きました世界を救うとされる伝説の魔法聖杯に
私は迷うことなく聖杯を使いました。この聖杯が人々の心を清めてくれるに違いないと。でも私の夢は悪夢へと変わったのです。聖杯に触れた人々が魔物となり殺し合う悪夢は何年も続きました。気の遠くなるくらい何年も何年も。気がつくと私の周りには誰もいませんでした。あの評議会の人たちも騎士団の人たちも王宮の侍女たちもみんなみんな私の作った聖杯のせいで死んでしまったんです。私は今一人ぼっち。でも私は死ぬことすら許されない。いずれ私は私でなくなるかもしれない。だからこの花に私の思いを託します。この花を手にしたあなた、あなたが私のもとにたどり着いてくれることを願っています。それまで私は待ち続けます。このモーヤの地でずっと。Ok, ça Perlipopette, c'est tragique. Le sort qu'elle a utilisé a dévasté son propre royaume. Le mana dont elle a parlé, c'est la même chose qui vient d'arriver. Alors ce serait elle, ce serait la reine Selena. Elle n'avait peut-être pas de mauvaises intentions. C'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Tu as raison. Elle a bien dit qu'elle l'attendrait, hein. Dans un lieu appelé Nazca. Nazca Krakra. Nazca, hein. Mazette, ça ne nous rajeunit pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais ces endroits? Le légendaire royaume de Nazca abritait une civilisation supérieure qui s'est éteinte presque en un clin d'œil. Il y a 10 000 ans de ça. 10 000 ans? Et la reine Selena a attendu pendant tout ce temps? Si nous réussissons à trouver le site de l'ancien royaume, nous pourrons peut-être résoudre enfin le mystère du mana. Ouais, et il faudra faire en sorte qu'elle ne puisse plus jamais l'utiliser. Oui, il faut l'en empêcher. Bien, en route pour le royaume de Nazca. L'heure de l'espoir. Ok. Allez, Elena. Allez, Oliver. Volons sur l'endroit d'Aéroin jusqu'à Nazca. Il n'y a plus de brouillard là-bas. Bien, il faut qu'on y aille. Mais tu sais où se trouve Nazca, Elena? Bien sûr que oui. C'est l'endroit avec les gros oiseaux en dessin. Gros oiseaux en dessin. Tu veux dire comme un grand dessin représentant un oiseau? Mais oui, gros bêta. Un gros oiseau, comme Cocotte. Il y a Aéroin de me poser par terre sur le gros oiseau, Oliver. Cocotte. Ça doit être ce Galus, hein. Comment ça se fait qu'elle en sache autant sur lui? Enfin, on pourra s'en soucier plus tard. On doit commencer à chercher Nazca, mon petit Oli. Et donc, des dessins de gros oiseaux. D'accord, faisons un tour sur l'eau d'Aéroin et voyons si on arrive à trouver l'endroit dont parle Lena. Ah, je suis retourné sur la wyverne? Lol. Les dessins de gros oiseaux, bon. Pas la peine de chercher, elle m'a mis à l'endroit où il fallait. À toutes. Et c'est là.
pas atterrir ce con. What? On va me poser dans la ville. Mais il peut me poser où? Là. Ah bah. D'accord. Hé hey, on sort de guérison. Mais what the fuck, je suis en train de me guérir depuis tout à l'heure. T'es sérieux? What the... Mais le jeu. Oh mais nique ton... Putain, je me fais bolos par 3 mobs alors qu'un boss tout à l'heure c'était easy quoi. C'est n'importe quoi. Il est mort. Mais what? Eh mais c'est une blague. Ah, oh, le cirque, ferme ta gueule. Je me fais défoncer par 3 mobs. Random. Alors que le boss d'avant, mais c'est one shot quoi. Donc, je trouve ça débile. L'injection de des fois la difficulté sur ce. Même pas niveau, ils sont pas niveau 100 hein, les ennemis là, ils sont comme moi, 48, 45, 46, voire un peu plus quoi. Ils ont mis un chemin fucking long, on passe plein d'ennemis. Vous récupérez toutes les pierres rituelles. Oh, c'est... Je sens bien un truc comme ça, tu sais. Récupérer toutes les pierres rituelles, sinon je peux pas invoquer quelque chose là-bas, tu sais. Eh merde, j'ai pas l'avantage. Gale.
Ali Baba Jour. Ali Baba Jour, carrément. Oh, please, quoi. Même ils sont morts en faisant rien, quoi, en essayant de fuir, quoi. Pff, ça me saoule. Regarde, mon pote, il y a une autre de ces grosses images immenses sur le sol, là. Elle est un peu passée, mais un petit sort devrait arriver. Allez. Alors on peut à présent atterrir sur les plaines de Nazca. Bien. Et là ? Lise un peu ces ruines anciennes là-bas. Gribouille-nous donc une ou deux runes qu'on puisse traverser si tu veux. Bon. Ara Memoria. Est-ce un hôtel? Non, gros bêta. C'est un pot de fleurs. Un pot de fleurs? Il n'y a pas une seule fleur là-dedans, ma petite. Peut-être que c'est à nous de les y placer. C'est ça, des fleurs dans les pots. Dans les pots de fleurs. Bon, on a qu'à y coller quelque chose, ça ne coûte rien d'essayer, non? En effet, cet hôtel doit bien servir à quelque chose. Petite minute, la fleur bleue que Lena t'a donnée, elle lui. Oh. Dans une lanterne, la fleur jaune de Lena brille comme un de ces trucs super brillants. Elle me vole presque la vedette. Alors. Au cas où qu'il y a, voilà, un boss qui arrive ou quelque chose. Je sais pas ce qui va se passer. Vu qu'il n'y a pas de sauvegarde depuis un moment. On va sauvegarder de toute façon. On va tout sauvegarder dehors. Regarde mon petit Oli, la fleur rouge Lena scintille, t'as vu? Ah merde, j'attendais un truc déjà plus badass. Déçu. C'est quoi, c'est une plateforme et on va monter au ciel, j'imagine? Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Tenez-vous prêts! Ah non, mais... Wouf, c'est une wouf! Non, pas besoin de changer de plan de vue, sorry. C'est Lena. Qu'est-ce qui se passe, Lena? Pendant tout ce temps, j'ai attendu. Ici, à Nazca. Nazca? Je le savais. C'est cette île qui était le siège de la civilisation de Nazca. Quoi? Tu le savais depuis le début? Je n'en étais pas sûr. Mais toi aussi, tu as bien dû les voir, mon cher frère. Les ruines qui se trouvent sur cette île, ce sont incontestablement les vestiges d'une civilisation très ancienne. Garde tes leçons d'archéologie pour plus tard, tu veux? Parlons plutôt de la voix qu'on vient d'entendre. Si je ne m'abuse pas, c'était Selena. Tout juste, la reine que ces fleurs nous a montrée. Fleurs! Vous ont guidé. Vous voyez? Qui c'est qui avait raison? Chut, elle essaie de nous dire quelque chose. J'ai attendu. Et aujourd'hui, ici, là où tout a commencé, l'heure est venue.
le dernier acte. Ikura matteite mo dare mo watashi no mae ni arawaremasen. Dakara watashi wa mukashi no dekigoto o omoikasu dake ni narimashita. Tanoshikatta hibi o omoikabete sabishisa kara nogare you to shita no desu. Sou yatte dore hodo no nengetsu ga sugita no deshou. Soshite ano hi. あなたは私どうしてここにあなた誰なのどうして私の前に現れたの分かったわあなたは私を責めてるのねみんなを死なせてしまった私はだったら消してやる。そうよ。消せばいいのよ。あの聖杯で消し去ればよいのだ。そう。我が名は灰の女王。お待ちしておりました女王陛下美しき聖杯により世界は一度滅びを迎えた私こそが世界を終わらせる女王我々が世界を管理し何度でもやり直すこの聖杯の力でではこれより評議会を始める。C'était quoi ce qu'on vient de voir ? La sorcière céleste ? Selena ? Qui aurait cru qu'elle tournerait si mal ? Oubliée, toutes les bonnes intentions. Mais comment ? Elle était là, avec Selena. Lena était avec elle. Selena est toute seule. Elle est très très triste. S'il vous plaît, aidez-la. Aidez Selena. Damale. Hein ? Nani ? またもや我々の邪魔をするというのかレイナスよもや美しき聖杯を消し去り不完全な世界を救うとは聖杯まさかそう私は灰の女王世界を管理する世界が終焉へと向かうのは管理者としての決断もはや覆すことなどできぬ灰の女王Je tiens à tous vous remercier d'avoir accepté de participer à cette réunion impromptue. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes convoqués dans un tel endroit. Ce doit être une affaire de la plus haute importance. En effet, nous savons qui a envoyé les cendres blanches qui ont failli détruire nos royaumes. En fait, c'est la propriétaire du château flottant que vous voyez devant vous, la sorcière céleste. C'est elle la source de tout ce mal ? Bien, bien, éminents amis. Je crois qu'il est temps que nos trois royaumes unissent à nouveau leurs forces. Tout à fait, toute aide est la bienvenue. Tous les peuples du monde doivent s'unir. Jamais alliance n'a été plus vitale. Nous sommes sensibles à cet appel aux armes. Bachir, retourne à Al-Mamu sur le champ et ordonne aux vizirs de se préparer au combat. Il nous faudra des engins qui volent, des engins qui foncent et plein d'engins qui tirent. À vos ordres, votre majesté. Eh bien, il est hors de question que nous nous soustrayions à nos responsabilités en pareil moment. Vous disposerez des meilleurs hommes de Carabas. Excellent, les trois royaumes ne feront qu'un. C'est la guerre!
Les trois goons refont au cas, mais à la fin... Ouais, c'est les trois clampins à se battre contre des boss, quoi. Génial, j'adore. Écoute, mon garçon, on est tous sur le pont, là. Autrement dit, tout est sous contrôle. Alors économise son énergie. Ton travail, c'est de vaincre la sorcière céleste. Laisse mon équipage s'occuper de tout le reste. Pour l'instant, repose-toi, nous frappons peut-être tous. J'aime pas de dormir sur le pont, hein. Repose-toi pendant que tu en as l'occasion, mon garçon. Parti. Oh, mais à mon avis, c'est il n'y a pas juste un combat, quoi. C'est pas possible. Bonjour, Oliver. Je voulais que tu saches que l'Empire consacre son arsenal le plus pointu à l'assaut contre le palais de la sorcière céleste. En effet, ce combat sera l'occasion de déployer pour la première fois nos aéroports, une nouvelle classe de vaisseaux de combat aérien. Ils ont reçu pour mission de mettre les défenses de la tour d'ivoire hors d'état de nuire, ce qui te permettra d'y rentrer. Oliver, nous comptons sur toi. Tu dois faire en sorte que ces terribles cendres, ce mana, ne tombent plus jamais. Nous ne te laisserons pas tomber, Picari. J'ai donné comme instruction à mes combattants de lancer l'assaut à ton signal. Fais-moi savoir quand tu seras prêt. Compris. あんだけの攻撃でびくともしてねえぜ。やはり聞いていませんでしたか。しかし良いのです。あの作戦の本当の目的は二の国の人々の気持ちを一つにすること。あ、そうなのか。ならいいんだけどよ。ジャイロったらいざって時にも臆病なんだから。いや、俺はな、人より慎重なだけなんだって。みんな、この先に灰の女王レイナスがいるんだ。 On va quand même se déplacer dans le château. Ouah, tous ces robots me disent rien qui vaille. Le dragon m'a fait flipper.
Ah, je pense me battre en fait. J'attaque par derrière. Merde, je suis mort. Attends, on va crever. J'ai sauvegardé de toute façon. Putain, tu vois les ennemis, je trouve que les mobs des fois ils sont plus forts que les boss. Je comprends pas. En même temps, là, attends, il me reste combien de temps là? C'est bientôt 11h. C'est bientôt 11h. Sachant qu'il y a un gros niveau à faire, j'aurai jamais le temps de finir le jeu, ça c'est sûr, parce que moi dans... Normalement dans 20 minutes, même pas, j'arrête. Quoi. C'est quoi, on va arrêter là? On va arrêter là, comme ça on fera une session le chapitre entier, je pense, s'il n'est pas trop long. Ouais. Arrêtons là.